c'est moi le marin. Pour gagner ma liberté, je me suis emprisonné sur ce frêle esquif cerné de barreaux salés. Et je songe à ceux qui n'ont pas ma chance, les condamnés pour blessures ou maltraitance. Coincé sur mon île déserte à voile, je pense à leur univers carcéral. Car moi, quand je rentrerai, je serai sans doute applaudi. Toi, quand tu sortiras, tu seras peut-être craint, voire même maudit. Je pense à toi et me demande, sans vouloir te défendre, comment te comprendre. C'est moi le gardien. Ils ont brisé et mis des vies à marée basse. Et pour cela, il faut que la peine soit efficace. Rendre justice, les faire hurler au supplice, mener ces naufragés vers leurs abysses. Et pourtant, j'ai vu dans chaque homme échoué une partie saine à faire chanter. Je pense à toi et me demande, sans vouloir te défendre, comment te comprendre. C'est moi le prisonnier. J'ai fait le choix du pénitencier. Après des années de décadence, ma vie est pleine de remontrances. À cause de ma boussole inadéquate, j'ai perdu ma route, perdu mon cap. La trouverai-je cette résilience? La mériterai-je cette deuxième chance? Je pense à moi et me demande, comment vais-je me sortir de ces méandres? Priver quelqu'un de liberté quand il a trop souvent louvoyé. Il n'y a pas à cautionner ou expliquer quand on heurte la société. Pourtant, on peut sûrement éviter le ressac du péché en leur offrant un semblant d'humanité. L'océan leur apprendra que pour se faire pardonner, rien ne remplacera le goût des larmes salées.